mucho tráfico ahí. Plus on progresse, plus on découvre des trucs merveilleux, c'est le rêve, quoi. C'est le paradis ici, quoi. Vu qu'on a passé une nuit en altitude là, on se sent mieux aujourd'hui. Mais bon, faut quand même pas qu'on force, parce que faut qu'après on ait encore des batteries pour le reste. On est comme si on était en fait au sommet du Mont Blanc. À 4800 mètres, il nous reste encore 600 mètres, c'est-à-dire que moi je suis jamais allé au-dessus de 4800 mètres. Et ouais, voilà, donc là on se trouve au sommet du Geishgé, 5403 mètres. Oh, une vue imprenable. Fait bon, il y a la soupe qui sent bon. Sauf pas les bêtes douces. Donc là, c'était vraiment magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Col Saint-Anton, où là on a eu vraiment une vue magnifique sur toutes les montagnes importantes de ce trek. Hein, tout s'annonce plutôt bien. Si le vent tombe le soir, c'est top. Belle montée, bien raide, bien chaude aussi. Voilà, alors là on est arrivé enfin en haut. Catherine est vraiment gelée, mais on va réchauffer un peu ses pieds et puis on va pouvoir redescendre tranquille.